remarques rien. Et quelque chose à remarquer? Mais j'ai mis un soutien-gorge ultra pigeonnant et c'est tout l'effet que ça te fait. Oh, moi, tu sais, les soutiens-gorge ultra pigeonnants. Oui, c'est vrai. Enfin, l'essentiel, c'est que ça plaise à Benoît. Benoît? Qui c'est? À nouveau? Oh oui, je l'ai rencontré hier soir, son fantasme. C'est Pamela Anderson. C'est pour ça que j'ai investi dans un soutien-gorge. Ah, je comprends. T'as bien fait, ça fait de l'effet. Je te dirai ça demain matin. Alors, à quoi tu pensais? Au dîner d'hier soir. C'était sympathique de se retrouver tous ensemble, non? Oh oui, c'est vrai. Dommage que Gérard n'ait pas pu venir. Moi, je me demande comment il fait encore pour supporter la manière dont le traite Monsieur Laplace. Ah, ça, l'obliger à rester à la salle jusqu'à 3h du matin sous prétexte qu'il y a des ouvriers à surveiller. Enfin, ça doit lui plaire. Sauf qu'il aurait dû penser que ça faisait de la peine à Adeline qu'il ne soit pas là. Adeline, elle était mignonne hier soir avec toutes ces histoires de prince charmant. Quand elle a raconté que son rêve, c'était qu'un garçon arrive avec 2 billets d'avion et lui propose de l'emmener au bout du monde. Tu sais, moi, à son âge, je rêvais exactement la même chose. Oh, moi, ça m'est passé vers 11-12 ans. Maintenant, un garçon qui me propose de m'emmener au bout de son lit, ça me suffit amplement. Oh. Bouge pas, j'y vais. Bonjour. Ça va? Oui. Bonjour Sabine. Ah, voilà la poupoune à son nounours. Oh oui, je pense que ça l'appelle. Oh oui. Oh, et alors, je vois pas où est le mal. Oh, écoutez, vous n'avez pas recommencé. Hein? Vous avez décidé de vous réconcilier hier soir, alors... Mais oui, qu'est-ce que tu voulais, ma chérie? Un peu de beurre, Marc a oublié de faire les courses, alors on n'a même pas de beurre pour le petit déjeuner. Je vais te chercher ça. D'accord. En fait, je voulais te dire merci pour le dîner d'hier soir. C'était très sympa. Y a pas de quoi. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. T'as vu qu'Adeline a le même rêve que toi à 20 ans? Ah oui, 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 le prince charmant, c'est romantique, non? Ouais, enfin, si on veut. Hein. Le bout du monde, si c'est pour prendre une douche à 50 km, moi, je préfère rester tranquillement ici. Oh. Tiens. Merci. Et sans parler des tarentules sur la moustiquaire. De quoi vous parlez? Non, de rien, du bout du monde. Ah, du rêve d'Adeline. Oui, enfin, moi je trouve ça un tout petit peu ridicule. D'ailleurs, je déteste les expéditions soi-disant romantiques. On en vient fatigué, avec des ampoules aux pieds et des piqueurs de moustiques. Évidemment. Toi, t'es pire que Karen, toutes les deux, l'aventure. Oh, les filles, ça suffit. En tout cas, il y en a un qui ça fait de l'effet, c'est Vincent. Mais oui, c'est vrai, il était là hier soir. Moi, à sa place, je prendrais toutes mes affaires dans un gros sac, j'irai voir Adeline. Et je lui dirais, je t'emmène au bout du monde. Tu crois qu'il serait capable de faire ça? Mais non, pas du tout, on te fait marcher, c'est tout. Oh. En tout cas, si tu le vois sortir avec un gros sac de voyage, tu sauras quoi t'en dire. Oh. Salut, maman, salut les filles. Pourquoi tu as mon sac comme ça, maman? Ah non, pour rien, je... Il est bien gros, ce sac, mon chéri. Bah oui, c'est mon sac de piscine, c'est pour ça. T'as besoin d'un sac aussi grand pour mettre toutes tes affaires de piscine? Bah, tu sais, entre les serviettes, les palmes et tout ça, ça prend de la place, hein. Mais mon chéri, tu vas t'abîmer le dos avec un sac de ce poids-là. Mais non, regarde, c'est léger. Mais non. C'est tout léger. Bon, excusez-moi, mais moi, faut que j'y aille, je vais être en retard. Bisous. Bisous. Bisous, Vincent. Bisous, bisous. à bientôt. Mais il faut absolument que je parle à Adeline. Ah non, c'est pas possible. Parce qu'Adeline a travaillé très tard hier soir, elle dort encore. Je l'ai pas réveillée. Bah, j'espère que non. Je crois pas. Bon, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, rien de grave. Attends, Vincent, on sonne pas à l'aube en disant je vais absolument voir Adeline, s'il y a rien de grave. Bon, reste pas sur le palier, allez, rentre. Merci. Ah, d'accord. Oui, vas-y. Doucement.
qui t'arrive. Bah, qu'est-ce que tu ferais si une fille te proposait de partir avec elle au bout du monde? Est-ce qu'il y a une fille qui t'a proposé ça? C'est génial, ça. Enfin, je veux dire, c'est super romantique, quoi. Ouais, tu trouves, toi aussi? Oh, bah oui. Enfin, tu vas pas le faire, Vincent, parce que t'es jeune, hein. Faut pas faire de bêtises, tu non, sais. Non, t'inquiète pas. Bah non, bon. De toute façon, j'ai pas de quoi lui payer un coupon de RER 5 zones. Si t'avais les moyens, tu le ferais, ça? Non. Ah bon, je préfère, tu m'as fait peur. C'est ça dont tu voulais parler à Adeline? Bah oui, tu comprends, j'ai besoin d'un conseil de fille. Bah, pourquoi t'allais pas parler à ta maman? Mais Gérard, oui. Pour qu'elle ait un infarctus en appelant le juge pour enfant et qu'elle m'enferme dans ma chambre à double tour. Putain, raison, j'ai pas pensé à ça. Je suis bête aussi. Et c'est qui cette fille qui t'a proposé ça? Oh, une copine. Copine? T'as proposé ça comme ça? Bah non, mais tu sais, on était plusieurs, on parlait d'histoire d'amour, tu sais, et puis quand elle a dit que son rêve c'est de partir avec un garçon avec elle au bout du monde, elle a pas arrêté de me regarder, tu vois. Mais attention, là, ça, pas de bêtises, hein. Mais non. Ah bon, je préfère. C'est quoi ce sac? Ça, c'est un sac de voyage ou... Non, ça, c'est mon sac de piscine. Ah, c'est ça, c'est un gros sac de piscine, quoi. Un sac de piscine? Ah non, je dirais même que c'était un très gros sac de piscine. C'est un très gros sac de piscine. Je vois, oui. Bon, bah, faut absolument jouer à Adeline et j'ai besoin d'un conseil de fille, moi. Bah, et moi, Vincent? Moi, c'est presque pareil, hein. Oui, bon, je peux attendre là en attendant qu'elle se réveille. Ah non, c'est pas possible, il n'y aurait pas question. Pourquoi? Où est le problème? Mais réfléchis un petit peu, Vincent. Imagine-toi, tu te lèves un matin, les cheveux un petit peu ébouriffés, et puis là, tu trouves Adeline au milieu de ton salon, alors qu'elle t'a pas prévenu. T'aimerais, toi? Dis, t'aimerais? Mais ce serait génial. Ah non, Vincent, toi, des fois, oui. Mais c'est pas ce que je voulais te dire. Je comprends. Enfin, je peux laisser mon sac ici, quand même. C'est vraiment parce que c'est toi, je te jure. Ah, merci, Gérard. Bon, c'est pas le tout, Vincent, mais... Hey, t'as pas lissé, toi? Bah, si. Eh ben, allez. Allez-y. T'en parleras à lui plus tard. Chut. Doucement. Oui, c'est pour moi, ma douce. Les deux billets pour l'Australie, c'est ça. Vous n'avez pas plus loin? Ah, vous savez, pour moi, ça m'est complètement égal. Hein. Pour moi, du moment que c'est loin et qu'il y a deux places, c'est le principal. Oui, parfait, je quitte pas. Je t'emmène au bout du monde, je te montrerai mon petit bout du monde. Oui, oui, c'est moi. Oui? Vous avez mieux que l'Australie? Et c'est où? La Patagonie? Bah, ça dépend, ils sont gentils, les Patagons. Ah, bah, alors, c'est parfait. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, réservez-moi un petit hôtel paumé en Patagonie. On est paumé partout en Patagonie. C'est pire que la Corrèze. Ah bah ben alors c'est parfait. D'accord, je passe à l'agence. Au revoir, au revoir. Oui, au revoir. Patagonie, wouh, Patagonie, Patagonie. Bonjour Marc. Bonjour Georgette. Si vous savez comme je suis heureux de vous voir. Ah, c'est vrai? Oui. Elle est pas là l'autre? Oh Georgette. Je viens d'acheter deux billets pour la Patagonie. Pour emmener la femme de ma vie au bout du monde. Ah. La Patagonie. Elle en a de la chance, Stéphanie. Mais Stéphanie, qui vous parle de Stéphanie? Mais vous, Marc, vous venez de me dire « J'emmène la femme de ma vie au bout du monde ». Oui, la femme de ma vie. Une des femmes de ma vie. Vous n'êtes plus amoureux de Stéphanie? Mais bien sûr que j'aime Stéphanie. J'aime même Stéphanie à la folie. Mais enfin, un homme tel que moi peut-il se consacrer exclusivement à une seule femme? Ce serait trop égoïste pour les hommes. Je suis heureuse de vous entendre parler comme ça. Alors vous n'emmenez pas Stéphanie? Non, Georgette. J'emmène la femme que j'aime au bout du monde. Oh, Marc, je vais tomber dans les pommes. Oh, tomber, Georgette. Je n'ai plus qu'à faire mes bagages. Oh, Marc, je savais qu'un jour, le grand jour arriverait. Mais c'est le grand jour, Georgette. Et nous nous arrachâmes de la piste dans le fracas des réacteurs. Et l'avion... Tel un oiseau gracile s'envola dans le ciel. Alors ils se regardèrent, leurs lèvres se rapprochèrent, et les yeux dans les yeux, la main dans la main, arrêtez. Les dents sur la bouche. Arrêtez, c'est tellement beau, je vais vraiment me sentir mal. Vous avez raison, Georgette, l'heure n'est pas à la littérature. Je jette quelques menus objets dans ma valise et je pars. Hop. Mais Marc, tout ça est si soudain, si rapide. Oh, si rapide.
L'avion ne décolle que dans 6 heures. Hein. Voulez-vous que je vous aide à faire vos bagages? Georgette, je vais même vous dire mieux. La valise, faites-la. Oh, Marc, je suis si heureuse. Moi aussi, Georgette. Je suis tellement content que je partagerai mon bonheur avec n'importe quel banane. Marc, on ne fait pas la vaisselle avant de partir? Non, Georgette. On ne fait rien. Et nous partâmes dans un endroit où la main de l'homme n'avait jamais mis le pied. Et nous restâmes assis en regardant l'océan se coulant dans l'océan naissant. Et ainsi jusqu'à la fin de nos jours. Mais c'est au bord de la mer. Ah ben c'est encore mieux. C'est mieux. C'est entre le ciel et la mer, à l'endroit où l'horizon se touche. Oh Marc, vous êtes un vrai poète. Oh, c'est vrai, c'est beau ce que je viens de dire, c'est beau. Notez tout, hein. Qu'est-ce que j'ai dit exactement? Vous avez dit sur l'horizon qui se touche, où leurs lèvres se rapprochèrent dans le fracas des réacteurs. Bon, Georgette, moi je vais acheter les billets, vous vous faites ma valise. N'oubliez pas mon caleçon imprimé avec la guerre des étoiles, c'est mon préféré. J'y vais. Faites la vaisselle pendant que vous y êtes, et gonflez mon vélo, puis nettoyez la cave, hein, et changez les draps. Oh, merci, Marc. Mais Marc, t'es fou, y'a qui dort? C'est pas grave, de toute façon, faut le réveiller. Mais pourquoi? Pourquoi? Bah oui. Parce que j'emmène au bout du monde. Elle vit? Mais elle est d'accord? Bah évidemment qu'elle est d'accord. Pourquoi quand même pas que je me serais ruiné à acheter 2 billets si elle n'était pas d'accord pour partir? Bien gentil, les muscles, mais faire marcher la serviette, Gérard. Puis enfin bon, et Stéphanie? Quoi, Stéphanie? Bah si Stéphanie, t'es bien amoureux d'elle tout de même. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec Stéphanie? Je viens d'expliquer la même chose il y a 30 secondes à Mme Bellefeuille. Stéphanie, c'est la femme de ma vie, mais c'est pas une raison pour priver les autres femmes de ma vie du bonheur de ma présence. Ça y est, ça. Je comprends. C'est pour ça qu'il faut que je réveille Adeline, pour Non, mais c'est pas possible. Pourquoi? Je sais que tu dois l'emmener au bout du monde. Enfin, bon, t'es sûr qu'elle est d'accord? Ben oui, parce que c'est elle qui m'a demandé de partir. Ah, c'est ça. C'est quand même bizarre, ça. Pourquoi tu dis ça? Tu sais que le bout du monde est à la mode en ce moment? Ah bon? Ah bah oui, je t'assure. Écoute, si ça continue, il va être plein à craquer, le bout du monde. Parce que toi, tu emmènes Adeline, il y a une copine de ma soeur qui veut faire exactement la même chose avec lui, alors. Tant mieux pour lui. Bah oui, mais enfin... Hein? Bon, bah je vais la réveiller. Non, 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 Marc, excuse-moi, mais personne ne réveille Adeline. Et si on rate l'avion à cause de toi? Eh ben, si Adeline est d'accord pour partir, elle sera à l'heure, t'inquiète pas. Et si on rate le réveil? Eh ben tant pis, écoute. Bon, allez, pousse-toi! Non, Marc. Je suis désolé. Mais je vais pas la manger, quand même! Toi, Kevin est ici, mais c'est moi qui suis responsable. Et tu vas manger personne. Puis tu vas te calmer un petit peu, parce qu'elle dort. Non, t'as l'esprit obtus, toi. Bon, tu gardes ma valise? Oui, mais t'as qu'à la mettre à côté des affaires de Vincent, puis c'est tout. Pourquoi, il part en voyage, lui aussi? Oui, bon, bah écoute, Marc. Hein. C'est pas une consigne, ici. En tout cas, ça va marquer sur la porte. Bon. Allez. Tiens. À tout à l'heure. Oui. Enfin, elle aurait pu me prévenir tout de même. Mais écoute, ça s'est fait sur un coup de tête. Ah oui, mais bon. En tout cas, c'est beau, l'amour. Moi aussi, j'aimerais bien qu'un prince charmant m'emmène peut-être pour une destination inconnue. Enfin, bon. Bon, désolé, Gérard, on n'a que 2 billets. Allez, salut. Oui. Ah oui, bon. Ah. Oui, mais... Truc de toilette. Le coucher. Un passeport. Bah dis donc, il en prend des choses pour aller à la piscine. Tu as dû rentrer. Oui, d'accord. Salut, Gérard. Oh, j'allais oublier. Tu peux pas savoir comme je me sens bien hein, depuis que je suis avec Marc. Oui, de toute façon, ça se lit sur ton visage. Non, je suis vraiment content pour vous deux, tu sais. Oh, t'es un amour, Gérard. À demain, Gérard. À demain. À demain, hein. Salut. Ah, Vincent, bah, tu tombes bien parce que je pensais à toi. Ah bon, Adeline, elle n'est pas descendue? Non, pas encore. Mais dis-moi, Vincent, j'avais une petite question à te poser. Oui, vas-y. C'est qui cette fille avec qui tu as décidé de partir?
Je te dis que j'avais rien décidé du tout, Gérard. Bon, enfin, ça suffit de me mentir. C'est vrai, quoi. Je sais très bien ce qui se trame ici, alors. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai ouvert ton sac. Et mis à part le fait que tu n'aies pris ni savon, ni coton-tige, j'ai bien vu ce qu'il y avait dedans. Ah oui, mes affaires de piscine. Tes affaires de piscine. Tes affaires de piscine, un tube de dentifrice, une brosse à dents, un sac de couchage. Ah, pratique pour nager, tu me diras. Sans parler de ton passeport. Bon, écoute, Vincent, c'est simple. J'exige le nom de cette fille. Gérard, je peux pas te le dire, ça. Faut voir que ça me regarde pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tendance à m'occuper de ce qui me regarde pas. Eh oui. C'est ça. Ah, oui. Non, c'est pas grave. Non, je demanderai à ta maman, puis c'est tout. Oui. Oui. À ma mère? Eh oui. Oui, bon. D'accord, je peux te le dire, de toute façon. Il n'y a pas de problème. Ben voilà, c'est... C'est Adeline. Adeline? Non, mais t'es fou, là, Vincent. Est-ce que je te dis que c'est elle qui m'a proposé? Mais quand ça? Tu sais, hier soir au dîner, quand elle a parlé de l'histoire, elle a pas arrêté de me regarder. Enfin, t'es sûr? Ah oui. Enfin, presque. Écoute, Vincent, je voudrais pas te faire de peine parce que je t'aime bien, mais je crois que tu te trompes. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est pas à toi qu'elle souriait. Hein? C'est Marc qui va l'emmener au bout du monde. Marc! Oh. Il est passé à l'appartement tout à l'heure, il avait deux billets d'avion. Oh non, c'est pas possible. Puisque je te dis que j'ai vu les billets d'avion. Bon. Je sais ce que je vais faire. Et où tu vas, Vincent? Nulle part. Je remonte. Retrouver mon triste univers quotidien, impitoyable et misérable. Ah, bonjour, mon petit Vincent. Justement, fallait que je te dise adieu. Allons, vous avez quelque part, madame Alphège? Oui, je pars. Je pars au bout du monde. Et devine avec qui? Non. Avec Marc. Avec Marc. Non, mais ça m'étonnerait. Ah bon, pourquoi? Parce que notre cher ami Marc a l'intention de partir avec Adeline au bout du monde. Avec Adeline? Oui, m'a demandé à Gérard. Gérard? Bah oui, madame Bellefeuille. Quoi? Avec ma propre filleule? Oh, la petite gaffe! Elle va me le payer! Et cher encore! Non, mais, madame Bellefeuille, mais calmez-vous! Mais non, Gérard, je n'ai aucune intention de me calmer! Je vais lui faire payer ça, je vais lui dire deux mots, moi! Bah, attendez, madame Bellefeuille. Hors d'ici, toi! T'avais besoin de lui annoncer ça comme ça, toi aussi! Mais Marc, je ne comprends toujours pas qu'est-ce qui a pu vous mettre une telle idée dans la tête. Bah c'est simple. Quand vous m'avez parlé du prince charmant qui vous emmènerait au bout du monde, j'ai bien compris que le message était pour moi. Mais non, je disais ça... comme ça. Bon, soit, vous disiez ça comme ça. Mais maintenant, j'ai les billets. Quoi? Mais les billets d'avion pour la Patagonie. La Patagonie, non. Marc, sérieux? Mais bien sûr, je suis sérieux. Je suis le prince charmant. Regardez, mon home flamboyant, mon épée flamboyant et mon panache blanc. Je vais vous faire découvrir les contrées sauvages avec les serpents. Vous voyez, ça y est, le prince charmant que vous attendiez est arrivé. C'est moi. Ne dites plus Marc, mais Marc, mon chevalier chéri. Marc, dites-moi, votre Stéphanie chérie. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec Stéphanie? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec Stéphanie? Adeline! Jean-Chef, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là, Marc? Mais, je suis venu chercher Adeline! Vous êtes venu chercher Adeline pour quoi faire? Bah pour l'emmener voir les serpents en Patagonie! Alors Vincent avait raison! Mon Dieu! Tant pis, Marc! Tant pis pour vous! Vous l'aurez voulu! Au secours! Mais Jean-Chef, qu'est-ce que tu fais? Toi, laisse-moi tranquille, traîtresse! Je l'écrase! On le verra après, toi! J'ai fait aussi vite que j'ai pu, ma chérie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais à vrai dire, on n'en sait pas plus que toi. On a récupéré Marc chez Adeline, complètement assommé. Je crois que c'est madame Bellefeuille qui lui est tombée dessus. Mais c'est vrai, ce que tu me dis là. Remarque, j'ai eu un mauvais pressentiment toute la matinée. J'étais sûre qu'il allait se passer quelque chose. Oh là là, mon Dieu. Mais ça a l'air grave. Ouais, plutôt, oui. Marc, mon amour, je t'en prie, dis-moi quelque chose. Bonjour, Star. Il a parlé. Tu as pas entendu parler, toi? Oh, où je suis là? Oh non, pas la baleine! Non, tout va bien, mon chéri, je suis là. Marc! Ah non, pas elle! Oh Marc, si vous saviez,
sais pas ce qui m'a pris. Oui, bah restez à votre place. Hein. On sait jamais si elle recommence, celle-là. Là. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment Georgette a fait pour glisser sur Marc. Je sais pas, j'ai pas fait exprès. Peut-être une faiblesse dans ma jambe. Une faiblesse? Elle a essayé de m'étouffer, oui. Mais au fait, Adeline, vous étiez là, vous aussi? Oui, mais tout s'est passé tellement vite, vous voyez, que j'ai pas vu exactement ce qui s'était passé. Oh, ça va, mon chéri? Encore un peu de bouche à bouche, j'ai plus d'oxygène. Oui, oui. C'est normal, hein, j'ai plus d'oxygène, c'est parce que vous avez les côtes cassées. Parce que quand on a les côtes cassées, ça fait toujours ça. Bon, vous vous taisez, Georgette? Que je vous envoie au Tibet, moi, ramasser des huîtres avec des moufles. Calme-toi. Adeline, puis-je te parler deux minutes, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Si Marc a les côtes cassées, tu pars toujours en Patagonie? Si tu veux savoir la vérité, il n'a jamais été question que je parte en Patagonie avec Marc. C'est vrai, ça? Promis, juré. Ah bah tu sais, ça me fait plaisir que tu veuilles pas partir avec Marc. Seulement, j'ai pas assez d'argent pour me payer deux billets d'avion. Vincent? Mais tu sais qu'on peut aller très loin, stop.